Juste avant que la vidéo commence les gars, je devais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par PUBG Mobile. Ils m'ont contacté pour promouvoir le jeu, du coup c'est parti, je vous montre tout ça. Les gars, j'ai fait quelques games et je vais pas vous mentir, j'ai kiffé y jouer. D'ailleurs, si vous voulez y jouer, les gars, il y a un lien dans la description juste en bas pour télécharger PUBG Mobile. Du coup, t'attends quoi pour me rejoindre? Vous pourrez aussi accomplir différents défis comme jouer avec des amis, se connecter via ses réseaux sociaux pour avoir peut-être la chance de débloquer plusieurs items durant l'événement de Saint-Valentin. D'ailleurs, regardez les skins, les gars, ils sont vraiment pas mal. En plus de ça, le 14 février, il y aura des skins spéciales Saint-Valentin. Il y en aura pour toutes catégories, que ce soit skins hommes, femmes, les skins d'armes, les skins de sac à dos, les skins de grenades. Vraiment, les gars, c'est stylé. Du coup, les gars, le 14 février, nouveaux skins et ils seront en période limitée. Du coup, faudra profiter de l'offre. Ok, les gars, avant de commencer à jouer, on va s'acheter un petit skin parce que avoir le skin de base c'est pas très cool. On va s'acheter celui-là, je l'avais repéré, il était pas mal, ou peut-être celui-là. On va s'acheter le petit pingouin, il peut être pas mal, acheté. Et là on aura le flot des pingouins, les gars, on va mieux jouer, vous allez voir. Ok les gars, on se retrouve en team deathmatch. Les parties elles sont super courtes, 10 minutes maximum. Tu peux jouer quand tu veux, en pause, partout. Les gars, regardez, je vais essayer de faire quelques kills, on va essayer de gagner la game aussi. Oh les tiens frérot. Il m'a pas vu les gars, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Non, j'ai plus le mal, j'ai plus le mal. Il a du mal à se... Ok, il avait du mal à se retourner. Oh, j'ai eu chaud, hein. J'ai eu chaud. Allez, mec, là-bas. On va être une kill. Oh, 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 double kill. Oh, triple kill peut-être. Oh non, j'ai pas eu le troisième kill. Du coup, maintenant que j'ai gagné ma game de match à mort, on va se retrouver en Battle Royale, les gars, sur la map Livik. Tu m'as aussi. Ok, c'est mon pote. Allez, tu dégages, frérot. Oh, je l'ai tué d'ici. Oh, 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 non, non, non. Oh, ce que je lui ai mis. Oh, le temps que je lui ai mis, les gars. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux qui seront affichés à l'écran juste ici. Je tiens aussi à remercier Tencent d'avoir sponsorisé cette vidéo, les gars. Je vous retiens pas plus et je vous souhaite une bonne vidéo. Wesh les gars, c'est Tixi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Je sais que ça fait 8 jours que j'ai pas sorti de vidéo plutôt. Je sais les gars que ces 2 mois-ci j'ai presque sorti aucune vidéo sur Fortnite. Bon, peut-être 4, 5, 6, mais beaucoup moins que d'habitude. En tout cas, je vais vous expliquer pourquoi les gars et je vais répondre à la question si j'arrête Fortnite, parce qu'il y avait plein de personnes qui m'ont demandé si j'arrêtais Fortnite. Mais on va tout répondre aujourd'hui les gars, on va juste faire notre spawn tranquille. Au début on a lancé une petite game de solo. Je vous préviens les gars, c'est la première game de la journée comme d'habitude. Du coup, si mon aim il est pas top. Vous savez pourquoi, putain, il y a un mec qui l'a drop à la piscine. Mais j'ai aucun coffre. Putain, il peut avoir 3 coffres, les gars. J'ai eu 0 coffre sur les 3. C'est super, on kiffe ça. Oh frérot, tu dégages. Hop là, premier petit kill. On va se loot sur toi. T'avais pas de pompe, c'est dommage. On s'en fout. On va continuer à rusher. Et on ouvre le petit coffre. Du coup, les gars, comme je vous ai dit, ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Et pour la simple et bonne raison, je vous le dis directement, les gars, c'est que je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée, je l'ai déjà dit plusieurs fois de toute façon. Mais les gars, sur Fortnite, comme vous le savez, il n'y a plus aucune mise à jour. Du moins, très rarement. Très rarement, les gars, même pas une fois par mois. Il n'y a plus de nouveautés. Ouais, bien laser quand même, hein, même si je l'ai bien laser aussi. Il n'y a plus de nouveautés sur Fortnite, les gars. Moi, faut savoir que je joue à Fortnite depuis le début du jeu, ok. Ça fait plus de 3 ans. 3 ans et demi, même, je dirais. 3, ouais, plus de 3 ans. Et que je joue tous les jours, quoi. Du coup, moi, le jeu, je le connais par cœur. Et si en plus de ça, il ne rajoute plus de nouveautés. Bon les gars, le jeu, à un moment j'ai fait le tour, tu vois, ça fait sur YouTube, ça fait 2 ans et demi, je suis là, 3 ans, 3 ans que je fais des vidéos Fortnite. Les gars, j'ai tout fait, j'ai absolument tout fait, j'ai vraiment tout fait du coup. Mais là, pour trouver d'autres idées de vidéos, je veux pas le camper. Attendez, on va essayer de le tuer. Oh, ça touche pas. Oh, j'ai plus de bulles, je peux pas le jouer, j'ai plus de bulles, j'ai pas de pompe. Du coup, je disais... Du coup, moi, les gars, pour trouver d'autres idées de vidéos, c'est chaud, tu vois. Je pourrais sortir des vidéos, mais des vidéos nulles, genre des défis de merde ou des concepts pas trop ouf, tu vois. Mais moi, je préfère faire des bons trucs, trouver un bon truc, et une fois que j'ai trouvé le bon truc, vous faire la vidéo, tu vois. Pas vous proposer de la merde que vous allez pas kiffer, sûrement. Parce que sinon, ça, je pourrais en faire des vidéos tous les jours, hein. Mais je préfère proposer du truc qualitatif. Qualitatif, ça se dit ou pas? Bref, vous m'avez compris, entre guillemets, qualitatif, on va mettre entre guillemets, même si je pense que ça se dit pas. Mais vous m'avez capté, vous avez capté le mot que je voulais dire. Vous allez le trouver pour moi d'ailleurs, les gars. Du coup, il y a plein de personnes qui m'ont demandé si j'arrêtais Fortnite. Bon, je vais directement répondre à la question, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir votre réponse.
Les gars, je n'arrête pas Fortnite. Certes, je vais y jouer moins, je vais sortir moins de vidéos. Mais il faut savoir, les gars, que si je sors pas des vidéos sur cette chaîne, il y a ma chaîne secondaire où il y a des vidéos normalement presque tous les deux jours. Texi Replay pour ceux qui veulent ma chaîne. Du coup, si vous vous ennuyez, les gars, vous pouvez aller voir mes vidéos sur ma chaîne secondaire. C'est des gameplays en arène. En arène la plupart du temps ou en tournoi pro. Et je live presque tous les jours aussi sur Twitch, les gars. Mon Twitch sera dans la description juste en bas. Comme ça, les gars, si vous voyez pas de vidéo de moi, vous avez vous occuper. Ok? Oh, il y a un pompe là, je vais aller le prendre. Le problème, c'est qu'il y a un mec juste là et j'ai pas beaucoup de bulles. Il m'a pas vu? Allez, tiens, frérot. Lui, c'était le campeur de tout à l'heure. Oh, lui, il a l'air chiant. Lui, il a l'air chiant, les gars. Oh, il est mort. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de bulles, putain. Oh, lui aussi, il a l'air chiant. Mais qu'est-ce qu'ils ont à être chiant, les gars? Je suis mort, hein, j'ai plus de bulles. Hein. Je suis mort, les gars, je n'ai plus de bulles. C'est la fin de cette game, je pense. Allez, donne-moi un truc de ouf, stopper des mini, un kit, tout ce que tu veux d'huile. Oh, mais pas des bandages. Quand je disais tout ce que tu veux, c'était une blague, frérot. En plus, le mec, il va m'attendre, mais c'est une blague. Ok, il est en train de se fight, mais bon, le problème, c'est que j'ai un pompe de merde, j'ai pas de vie. J'ai pas grand-chose, hein, les gars, honnêtement. Faut que je me casse. Bon, c'est une partie où il n'y aura pas trop de kills, les gars, mais de toute façon, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas de faire 56 kills, c'est pas de montrer mon niveau, c'est de parler. De parler les gars au sujet de Fortnite, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, mais de toute façon je suis obligé de le faire puisque ça n'avance pas. Du coup je vais pas vous mentir les gars, j'ai songé à faire une pause de Fortnite pendant quelques mois jusqu'à la prochaine saison. Mais le problème c'est que je me suis dit la prochaine saison les gars elle est dans un mois. Je sais pas si vous imaginez, c'est encore loin, tu vois. Du coup je me suis dit je vais faire quoi pendant un mois, moi j'ai pas d'autres jeux à jouer, c'est Fortnite mon jeu favori. Du coup je me suis dit on va continuer à jouer mais on va diminuer la cadence pour pas trop se dégoûter du jeu. Je sais pas si vous captez, du coup la cadence des vidéos normalement elle sera diminuée à part si demain les gars je trouve un concept de ouf. Ça m'étonnerait d'ailleurs les gars, si vous avez des idées de vidéos, des idées de concepts, des idées de ce que vous voulez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ce serait mal. Bon, là on va farm parce qu'on a plus de farm. Et encore une fois les gars, j'ai envie d'y croire, hein, que la prochaine saison va tout changer de jeu. Mais en vrai, de vrai, chaque saison les gars, on dit que la prochaine va être trop bien. Du coup, chaque saison on est déçu parce que la prochaine, bah, elle est pas nulle, mais elle est pas bien quoi, tu vois. Elle est vraiment bof, c'est limite. Et là j'ai envie de me dire la prochaine saison ça va tout changer. De toute façon ils sont obligés, tu vois. J'ai envie de me dire ça. Mais je me suis dit la même chose la saison passée. Et finalement regardez les gars, en fait quand il y a une nouvelle saison, les deux semaines, trois semaines, voire le premier mois, il est toujours bien, tu t'amuses parce qu'il y a de la nouveauté, et puis pendant trois mois, t'as plus rien sur le jeu, t'as absolument plus rien, tu t'ennuies. Là, à l'heure d'aujourd'hui, les gars, là, MM, tu peux plus en faire parce qu'il y a beaucoup de bots, c'est chiant, c'est devenu chiant, les mecs, soit tu tombes sur des bots, soit tu tombes sur des mecs qui tryhardent comme s'ils étaient en compétition. Du coup, là, MM, c'est plus possible. L'arène, c'est bien, mais une fois que t'as fait le tour de l'arène... Cette saison, les gars, je dois avoir 22 000 points en arène, je crois. Tellement que j'ai joué en arène. Et l'arène, c'est bien une heure par jour, tu vois. Mais si t'as envie de jouer plus qu'une heure par jour, tu fais quoi après l'arène? Voire 2 heures à l'écran max. Après, tu fais quoi? Bah, t'as plus rien à faire, à faire du créatif. Et bon, créatif, c'est. Ça plaît pas à tout le monde, tu vois. Moi, créatif, je trouve ça un peu chiant, honnêtement. En tout, il veut quoi? Il est en nounours, il veut me tuer. Mais il est fou. Oula, mon AM, il est pas top. De toute façon, je vous avais prévenu, les gars, mon AM. Il a une bonne coulue, hein. Allez, toi tu dégages, frérot. Il avait une bonne coulue, je le reprenais au camion. Mais c'est pas grave, on l'a tué. Il y a quoi? Il a une grosse pote. Ok, on va la mettre. On a 3 kills. On s'en fout. On s'en fout, les gars. Aujourd'hui, c'est chill. Et on en a déjà parlé, les gars. Mais je comprends vraiment pas pourquoi Fortnite n'ajoute plus de mise à jour régulièrement. Bon, je sais qu'ils ont des vacances. Ils doivent se reposer et tout. Mais bon, demander une arme à la limite ou un nouveau mode de jeu toutes les semaines ou régulièrement, je sais pas. Tu vois, c'est pas moi qui sais. Bah, je sais pas. Je pense pas que ce soit grandement demandé. Même remettre des anciennes armes, pardon. Ah, le mec là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est ça. Remettre des anciennes armes, ça demande pas beaucoup de travail, je pense. Après, je sais pas, je suis pas développeur, mais l'arme elle est déjà faite, tu vois. Ils doivent pas la refaire, ils doivent pas avoir l'idée. Plus remettre des anciennes armes, comme ça, le gameplay du jeu il change un peu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme ça, c'est pas tout le temps répétitif parce que là, tu joues à Fortnite 2 heures, t'as l'impression que pendant 2 heures, t'as fait la même chose, ok. La première game, tu vas t'amuser, la deuxième game, ça va être la même chose, la troisième, la même chose, la quatrième, la même chose, la cinquième, la même chose. Du coup, ça devient répétitif, c'est super répétitif, sachant que moi, ça fait 3 ans, comme je vous dis, les gars, je joue au jeu. Je peux vous dire que j'en ai fait des games Fortnite, hein. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, si je le tue d'ici, les gars, je peux vous dire que je crie.
Par contre, lui aussi, il peut me tuer de là, il faut que je fasse gaffe. Et j'ai toujours pas beaucoup de bulles. Tu vois, il y a plusieurs trucs dans AMM qui est chiant aussi, c'est que tu farmes pas vite. Il y a pas le mode census, hein, on le répète depuis 10 ans. Il y a rien qui a changé, mais bon. Et du coup, l'AMM c'est chiant parce que pour aller fight un mec, il te faut aller 200-300 de bulles. On va dire fight un mec correct et encore. 200-300 de bulles dans AMM, c'est trop chiant en farm. En arène, tu vas plutôt vite, tu vois, parce que t'as les matériels accélérés. Mais en AMM, les gars, il faut 10 minutes, frère. Bon, 10 minutes, j'exagère peut-être un peu, mais vous avez compris. Vous avez compris le délire. Par contre, lui, qu'est-ce qu'il est chiant. J'ai même pas du build pour sauter sur lui. Prends ta balle, frérot. Bon, on va essayer le rush, mais j'ai pas de build, hein, les gars, je le sais. J'ai pas du tout de build, je sais pas comment je vais faire. Je vais me débrouiller. Hop là. Allez, viens ici, frérot. Qu'est-ce qu'il fait, les gars? Mais il est taré, lui. Oh, j'ai pas de build. Il a l'air plutôt nul, hein. Il a l'air. Ok, il était plutôt nul. On va pas se mentir, je comprends. Oh, c'est quoi ce sniper? Ah, c'est le Barrett. Ah non, c'est celui qui donne la zone, ok. Ah, mais il a la zone en fait. C'est pour ça qu'il s'est mis ici. Ah, il est malin. Il est malin, le petit. Bon, bah, on va attendre dans la zone. Non, on va pas attendre en fait. Regardez aussi un autre truc à MM. Regardez la zone, les gars, on est plus que 10. C'est nul. J'ai vu que 5 mecs dans toute la game. Après, j'ai pas fait un sale cheat, tu vois, et tout. Mais ça change rien, on est plus que 10, frère. Ça fait que 85, on dirait un Barrett, ça fait 85. What the fuck. Et tu dégages toi, frérot. Oh, j'aime bien ce sniper, hein. Pas beaucoup de dégâts, mais il a une utilité de ouf. Ok, là il y a des mecs. Là j'aime bien les gars quand ça joue comme ça. Là j'aime bien quand ça joue comme ça. Ok, tu veux bull fight, frérot. Allez, double edit. Oh, j'ai pas pris mon compte. Allez. Allez, tu voulais bull fight, frérot. Non, tu vas pas bull fight, mon ref. Tu vas aller au lobby, ce sera mieux pour toi. Encore un mec, mais c'est qu'il faut. Oh, mais il y a 6 balles dans le truc, j'avais pas vu. Oh là là, qu'est-ce que je leur mets? Oh, je leur mets pas mal d'édits en plus, hein. Oh, j'ai vu le noscope. Oh, j'ai vu le noscope, je suis fou. Oh, je suis fou, les gars. Oh, je suis fou, j'ai voulu le noscope avec un Barrett. Du coup, pour faire un petit résumé de la chose, les gars, pour ceux qui n'ont pas bien compris, je n'arrête pas Fortnite, mais il est possible que la cadence de vidéo va se réduire, ok? Ou peut-être moins de vidéos sur Fortnite, je sais pas s'il y a un autre jeu ou quoi qui va sortir. Jusqu'à quand? Normalement, jusqu'à la prochaine saison, ok? Normalement, jusqu'à la prochaine saison, la saison, elle est dans un mois pile, je sais plus, je sais que c'est vers mi-mars, c'est vers mi-mars, du coup, jusque dans un mois. Et puis, on verra, les gars, hein, ça dépend de ce que la prochaine saison nous réservera. On verra si elle sera bien ou si elle sera nulle, même si je suis pessimiste. Je suis pessimiste, pour moi, elle sera nulle, bon. Si elle sera bien, c'est mieux parce que au moins je serai surpris. Et si elle sera nulle, je m'attendrai à rien, tu vois. Je serai pas déçu puisque maintenant il faut plus s'attendre à quelque chose de bien. Parce que si tu t'attends à quelque chose de bien et t'as de la merde, tu vas être déçu. Et si tu t'attends à de la merde et t'as de la merde, tu vas moins être déçu en gros. Je crois que vous avez compris, mais de toute façon, tout le monde le sait ça. Du coup, on verra. Oh, le bull fight là par contre. Du coup, on verra la prochaine saison, les gars. Et pour l'instant, on va se débrouiller comme on peut. Ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas Fortnite, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être dans un futur, mais c'est pas prévu. Honnêtement, les gars, je vous le réponds, c'est vraiment pas prévu. Mais c'est possible. J'écarte pas cette solution. Ouh, puis 85, ça fait du bien, frérot. Lui, il est loin. Lui, il est loin. Lui, il va mourir. Allez, petit 32, t'es mort. Oh, j'allais le toucher, je pense. Non, non, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça l'a mis là? Pourquoi ça l'a mis là, frère? Allez, il va bull fight. On connaît, frérot. Il est loin, hein. Il est loin. Par contre, il prend la zone depuis tout à l'heure. Mais c'est une blague. J'étais en train de m'amuser à edit un mec et l'autre il s'amuse à me mettre une balle de sniper dans la tête. C'est génial, c'est génial. On va voir ce fin de game, on va voir si c'est lui qui va gagner ou pas. Juste voir s'il va le tuer. S'il le tue, je pense qu'il va gagner la game, hein, parce que le mec il avait l'air plutôt chaud snipe et le mec vraiment il était nul, ça se voyait. Bon, c'est pas grave, on a quand même fait, on avait combien de kills? On avait pas beaucoup de kills, hein. 9 kills. Pff. Bon, pour une game de merde, on s'en fout. Ah, il va le tuer. Oh, peut-être pas, hein. Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, lui c'est un flexeur, ça se voit, il fait trop pour qui sert à rien. C'est un flexeur. Allez frérot, qu'est-ce que tu fais là? Bon, on s'en fout, je pense qu'il va perdre ou il va gagner. On s'en fout, c'est pas la question. Du coup les gars, voilà, c'était juste pour faire un petit coup de tête, les gars, un petit coup de gueule. Comme on a déjà fait, mais bon, il fallait le faire parce que vu la situation actuelle, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, petit pouce bleu, petit abonnement comme d'habitude. Vous connaissez le comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Bref, vous m'avez compris encore une fois. Désolé les gars, je me suis réveillé il y a pas longtemps. Il est 10h. Il est 10h du matin, j'ai pas trop les mots. En tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.